Yo, salut à tous, c'est Okonai, bienvenue sur League of Legends. Aujourd'hui, on se retrouve pour du Guess My Elo. Nous allons faire un Guess My Elo différent cette fois-ci. Nous allons prendre une seule personne qui va gagner quelque chose de super intéressant. Vous allez voir très bientôt. Donc, comment ça va se passer? Je vais en EU West. Alors, vous pouvez être en NA aussi, il n'y a aucun problème. Mais la majorité du Discord est en EU West. Je me connecte à mon compte EU West. Et je vais aller dans mon serveur Discord à la section Guess My Elo pour prendre quelqu'un au hasard. Donc merci déjà beaucoup à tous ceux qui ont mis vos pseudos. Il y en aura un qui va être très chanceux aujourd'hui parce qu'il va pouvoir gagner 20€ de cartes cadeaux Instant Gaming. Et sur Instant Gaming, il y a des cartes RP. Donc tu vas pouvoir te faire extrêmement plaisir. Et ça me fait très plaisir aussi. Du coup, comment rejoindre le Discord? Lien dans la description, c'est gratuit. Boum, t'arrives, c'est public. Have fun. Tu vas arriver ici, il y aura des nouveaux. On va te souhaiter la bienvenue ici, voilà, ou pas. Mais moi, je vais te le souhaiter, la bienvenue. Moi, je vais te le souhaiter, donc t'inquiète pas. Voilà, du coup, Guess My Elo, je vais prendre complètement au pif. Tu vois, je vais faire, hop, je vais même pas regarder. Je vais être comme ça. Hop, je vais mettre ma souris genre là. Je touche plus rien et ce sera lui. The Wild Morse en EU West, hop. Je suis connecté, je vais dans profil. Je mets son pseudo ici. Je clique sur entrée, je baisse pour pas voir évidemment son elo. Je monte, je regarde son niveau. Il est pas niveau 30 ou 40 parce que sinon c'est des smurfs, c'est chiant. Je vais dans match history. Et là, on regarde de la solo queue. Ranked solo queue, je ne prends pas de flex ou quoi que ce soit. Boum, je prends. Boum, je regarde. Et c'est juste parti. C'est juste parti. Alors, il y aura 2-3 petits trucs. Un, je vais avoir plus de temps que prévu parce que je vais devoir être très précis. Justement, la précision, on y vient. Je dois être précis. S'il est gold 2, je dois dire gold 2. Pas gold 3, pas gold 4, pas gold 1. Et encore moins un silver. Ok? Donc ça, c'est très compliqué. Si je me foire... La photo! Merci, Bastien. Si je me foire, il gagne 20€ de carte cadeau. De Will Mars, je vais t'appeler Mars, ok? Ça va être beaucoup plus simple pour moi. Mars va gagner 20€ de RP s'il y arrive. Un joueur de Yurik. Ah oui! En passant, je n'ai le droit que de regarder seulement lui. Et on jugera uniquement son gameplay. Si tu pues la merde, tu pues la merde. Je vais dire bronze, c'est pas grave. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire, les gars. C'est pas que les bronzes puent la merde. Allez, allez, Yurik. On y va. Montre-nous ce que tu es capable. Alors, au niveau des runes et tout, je vous montre les runes vite fait. Point de l'immortel, destruction de tour, etc. Normal. Overheal. Après, moi, je connais pas de champion, hein. Jamais joué, là, hein. Ok, apparemment, il y a du lifesteal. Ah, peut-être avec son ultime et tout. Eh, je connais pas. Ouais, je connais pas. Bref, vous avez vu les runes. Hop, je me mets à gauche. Ciao, bye bye. En vrai, je vais rester là. Parce que vous allez pouvoir voir les sorts de Yurik. Ça va être plus intéressant. Ok, très bonne cover du Yurik, là, actuellement. Ouais. Ah, il a le gameplay, hein. Ah, il a le gameplay d'un top laner Yurik, hein. Voilà, là, je suis en train d'avancer le temps. Là, on est en x10, hein. Non, je déconne, on est en x3, je crois. Ah, Yurik, faut jouer, quand même. Mars. Non, mais il est allé aux chiottes, on le fait tous. La game se lance, on est dans le loading screen. Et on va chier, genre. Ah oui, c'est une grosse pêche qu'il nous fait, là, Mars. Mais Mars... Mars? Tu viens de perdre 3 millions, Mars! Mec! Oh putain, c'est bon. Il est revenu. Oh, la pêche qu'il a dû mettre aux chiottes, là! Voilà. Ben, on est bien. Ah bah... 30% d'expérience en moins que l'adversaire. Ça met bien. Parce qu'en fait, là, t'es niveau 1, il est 2. Hein. Il va te fumer la gueule. Yone? Qu'est-ce que tu fais, Yone? Bah oui, défonce-lui, en fait. Ah, il a pris le E, j'aurais peut-être pris le W. Ouah, le sidestep qu'il vient de te mettre, Mars. Je veux dire, Mars, le sidestep que tu viens de lui mettre. En fait, là déjà, ça m'en dit beaucoup. Le fait que Yone, niveau 2, ne prend pas l'avantage sur le Yurik, il ne le défonce pas avec un WQ. Ça me paraît très bizarre, quoi. Le Yone qui décale, c'est pas mal, en vrai. C'est intéressant, là, le Yone qui décale.
Ouais, je pense que tu vas être un peu light, hein. Oh non, me dis pas que tu vas foirer ton flash. Oh, ok, double buff. Ah, elle est trap. Trop bien ce sort en vrai. Oh là 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 là. Ok, rien dit. Back TP. On a quelques goals, 1000 peut-être. Oh là là, 1500 déjà. Tant pis, tu TP pas, j'avance. Allez, j'avance. Ah, alors Yone, il a double buff là par contre. Hein. Ah, Yone va être un peu déçu, je pense, du résultat. Ouais, faut partir, monsieur. Oh, ça touche pas malheureusement. Ah, c'est dur en vrai. C'est dur de deviner, Mars. On va regarder un teamfight un peu plus loin, les gens. Au niveau du farm, ouais, c'est quand même assez moyen. Mars, t'es où, Mars? Il est là. Go. Est-ce que ça fonctionne dans ce mode-là? Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée sur lui, hein. Ah, tu fais des dégâts, en vrai. Ouais, un soin sous ultime sous tour, full life, ouais. C'est spécial quand même, hein. Ok, là déjà, j'ai quand même deux grosses informations. C'est le Yone qui n'abuse pas de son level 2 sur Yorick. Et c'est Yorick qui essaye d'engager, de dive en fait carrément, un soin full HP sous ultime. En tant que Yorick. Là, la TP, c'est une TP de merde. C'est une TP de merde parce qu'il y avait le dragon. Le dragon était free. Il aurait pu aller bot et avoir le match-up easy contre Yone. Et comme ça, son équipe aurait pu faire des trucs au baron. Surtout que son équipe est ultra devant. Mais peut-être qu'il est en mode juste. Là, il veut peut-être juste s'amuser parce qu'il est que en 2-4-6. Ouais. Damn, la Kali, elle a pas le temps, elle. C'était clean ce qu'a fait Akali, mais après, est-ce que... Ouh, bah, ça rage. Ah, la Akali, ce que j'ai vu mécaniquement, c'était propre. Après, est-ce qu'un Silver est capable de faire ça? J'en ai aucune idée, je sais pas, peut-être. Je pense pas qu'on soit en plate. Le niveau est plus faible, quand même. Je pense qu'on est en gold. Ah, mais le Yone qui joue comme ça, c'est fou, comment c'est nul. S'il y avait que des joueurs de Yone, si le joueur là, tous les autres joueurs étaient au niveau de Yone, j'aurais dit Silver. Qu'est-ce qu'il fait, Mars, qu'est-ce que tu fais en 1 contre 5? Ton équipe a même pas eu le temps de mettre de la pression. Non, je pense pas que... Non, on n'est pas en plate. On n'est pas en plate. Gold, normalement, on... Après, je sais, hein. Mars, il en a juste marre. Il y a 33-15, il sait qu'il a gagné, il a juste envie de s'amuser. Et c'est le seul qui ne s'est pas amusé dans la game. Je comprends. Mais du coup, tu me baites, Mars, en fait. Je sais pas quoi dire, là. Mars, tu ressembles à un silver. Là, ok. Mais je crois que c'est du gold. T'es en train de me bait. Ah ouais, on a 23 minutes de jeu, t'avais toujours pas fini tes bots. Le problème, c'est que la Akali ressemble à du gold. Mais en même temps, c'est parce qu'elle est faite, donc peut-être que c'est un smurf. Je vais dire Silver 1. Mars? Tu es Silver 1, Mars. C'est mon dernier mot. Mars, tu es Silver 1. Fuck! À 16 LP près. À 16 LP près. J'avais raison. À 16 LP. 20 euros les 16 LP, ça fait cher, Mars. Mais tu sais quoi? Tu l'as mérité. Tu l'as mérité, Mars. Ah. Pour ce champion de pool, Mars, ce sera 10 euros de cartes cadeaux pour toi. Je rigole. Tu vas bien évidemment recevoir tes 20 euros de cartes cadeaux sur Instant Gaming où tu vas pouvoir acheter tes RP si tu le désires ou un autre jeu. Et il n'y a aucun problème là-dessus. Je vais t'ajouter un ami, tu as juste besoin de m'accepter et je vais te donner le code via la messagerie
du jeu, ok? Je vous explique du coup Instant Gaming, parce que là je vous parle du code Instant Gaming. Vous allez voir, ça va être très facile à utiliser le code, je vais t'envoyer le lien d'ailleurs. Instant Gaming est un site où vous allez pouvoir acheter vos jeux avec des réductions incroyables. C'est des jeux digitalisés cependant, ok? Donc ça marche avec un système de code, ça va être instantané, tu vas pouvoir télécharger ton jeu tout de suite. Il y a aussi le concours giveaway qui va se finir dans quelques jours. J'en ai déjà parlé au début du mois, ok, au milieu du mois. Là par exemple j'avais mis Orc Must Die Free pour vous montrer l'exemple. Vous mettez n'importe quel jeu que vous voulez. Vous pouvez suivre différemment compte ici pour avoir plus de chances de gagner tout simplement. Et si vous ne gagnez pas, vous allez quand même avoir un bon de réduction sur votre prochain achat. Donc tout est bon. Je vous souhaite une agréable journée, soirée, nuit, ce que vous voulez. À très bientôt, des bisous, ciao.